Étranges expériences cette semaine sur Alsace 20, du spectacle vivant dans le Haut-Rhin avec le festival Momix qui fête ses 22 ans quand même. Au programme, des spectacles pour les enfants à partir de 18 mois, mais aussi pour les ados. Mais bon, a priori, c'est surtout aux adultes que ça plaît. Beaucoup d'adultes viennent sans enfants à Momix. On les refoule pas, ils peuvent rentrer. Oui, on les accepte. Première en France, le Cacheur Day, festival de produits cachards. Un moyen de lutter contre les a priori alors que le cachère n'est en fait rien d'autre qu'un ensemble de règles alimentaires. Ne pas mélanger la viande et le lait, par exemple. Ou alors ne jamais consommer des friandises dans lesquelles se trouveraient des graisses d'animaux. Pas pire qu'un régime du camp, en somme. On veut faire tomber les tabous. Venez découvrir ce qu'est le cachère et pourquoi c'est bien de manger cachère. Le sol strasbourgeois rend les archéologues heureux. En même temps, il leur en faut a priori vraiment pas beaucoup. Quelques cailloux datant de l'époque médiévale et des latrines. Donc d'anciennes toilettes qui se trouvent là, juste devant moi. C'est une fosse qui a été creusée et maçonnée, qui est retenue par des murs, par des petits murets, et dans lesquels on a trouvé beaucoup d'éléments qui ont été utilisés par les occupants de ces maisons. Bon, au moins, ils ne font pas semblant, ils auront passé 2 mois entiers à se salir les mains et à rentrer couverts de boue, contrairement aux dessinateurs de presse qui, eux, se la coulent plutôt douce au chaud. Quelques coups de crayon et le tour est joué. Moi, je passe 5 minutes à 1 heure à faire... Si je passe plus d'un mois sur un dessin, ça passe par la fenêtre. J'ai failli les oublier. À chaque semaine, son lot de manifs. Même s'ils ont mis du temps à percuter, les services publics sont eux aussi finalement descendus dans la rue. À partir du moment où on parle des salaires, ça concerne l'ensemble des fonctionnaires de toutes les branches, hospitalières, territoriales, fonctions publiques d'État. Ils sont 230 dans le Bas-Rhin pour 2200 interventions par an. La protection civile recherche des bénévoles pour constituer une équipe de réservistes. Pas besoin de vous cacher derrière une excuse en bois, il n'y a pas de profil type. La protection civile a besoin de monsieur et madame tout le monde. Pour la réserve départementale, il n'y a pas besoin d'avoir de base, sachant que nous allons, au fur et à mesure, former les gens. Il ne reste plus qu'à vous engager. À la semaine prochaine.